Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur FIFA 14 la carrière avec Lance. Et aujourd'hui donc on va regarder un petit peu déjà qu'est-ce qu'on a à faire. Là qu'est-ce qu'on va faire, on va louer notre équipe parce qu'on fait un très bon parcours en championnat. Oui, on va regarder le calendrier, voilà. Donc on a aujourd'hui un match face à Lorient, match de championnat. Ça, à l'extérieur, à Lorient. On a un match à l'extérieur face à AZ en Europa League. Après, on aura un match à domicile face au Stade Brestois. Et si on a le temps, on fera un match à domicile face à AZ. On verra bien ce qu'on pourra faire. Allez. Est-ce qu'on est bon? Oui, on va faire jouer l'équipe bis face à Lorient. Ouais, l'équipe bis face à Lorient, ça me paraît être bon pour pouvoir faire jouer la titulaire après face à AZ. Parce que AZ est un match très important. Allez, on va mettre tout le monde les remplaçants. On va faire une défense Romagnoli, Nedjav pour test. Chavaria, on va l'en faire remplacer par Igon. Azaz, on va le faire rentrer à la place de Ducasse. On va faire rentrer Tau à la place de Johnson. À la place de Cherychev, on va tester le Barcina, là. Monsieur Barcina. On va mettre... ouais, devant, on va mettre... Parker, Maguenis. Ouais, ça me paraît être pas trop mal. Parker, Maguenis. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors après, comment on est, blablabla, blablabla, blablabla. On va laisser tout ça en défense comme d'habitude. Voilà. Voilà, Maguenis qui est pas du tout en forme. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et on va faire jouer tout le monde comme ça. Ça me paraît être pas trop mal. Allez. Parker la frappe. Et le but. Parker la frappe. Droit devant. Boum. Sur le gardien. Magnifique. Parker la frappe. Ouh, elle est trop fuyante. Parker la frappe. Ouh, elle était pas là du tout, mais c'est pas grave. Parker la frappe. Hop là. Elle était trop sur le côté. Dommage. Parker la frappe. Elle était trop sur le gardien, celle-là, mon petit loulou. Parker la frappe. Ouh, elle était belle dans la lucarne. Allez. Bonjour à tous. Allez, contre Lorient, match de championnat, c'est la 25e journée de Ligue 1, c'est ça? 25e journée de Ligue 1, c'est exactement ça, c'est parfait. Allez. On joue contre Lorient, à Lorient. Non, on n'est pas en direct de Lens, on est en direct de Lorient. C'est ça qu'il a dit, non? Ou alors c'est moi qui suis fou. Ouais, bravo la passe. Cette rencontre, elle sera placée sous l'autorité de monsieur Benoît Taillade. Benoît Taillade, la tête. Ouh, Maguenis qui est rentré dans le but avec le ballon. J'ai marqué un Maguenis à la 4e minute, c'est parfait. Alors, un beau centre qui a totalement lobé le gardien. Le centre était parfait. Le centre était parfait. Maguenis l'avait juste à pousser de la tête. Heureusement qu'il ne l'a pas mis au-dessus, parce que là... J'aurais dit mon grand garçon, bah, ça fait plaisir Maguenis qui remarque après un petit moment sans marquer. Oula, c'est passé, j'ai cru que ça allait pas passer. Allez, on presse les enfants, on presse. Allez, c'est parfait. Barcina, je t'attends. Bien joué. Barcina, alors ce jeune Barcina, il a la crête Barcina, comme pas du tout comme sur la photo, encore une fois. Je me fais voler au niveau du physique des joueurs, c'est horrible. Allez. Nedjav. Ça revient derrière, ça repasse au milieu. Allez, Igon sur le côté. Ça temporise du côté de chez Lorient. Magnifique, c'était pas une interception parce que... Ouh, ça vaut un carton. Ah, excusez-moi monsieur l'arbitre, excusez-moi. J'ai fait un fauchage. Je voulais jouer le ballon, mais Dao il a raté le ballon. Mais à la base je voulais jouer le ballon. Hein. Il avait... C'est magnifique ça. C'était magnifique, ce contrôle était parfait. Allez. Allez, Parker pour Maguenis. Maguenis pour Igon là-haut. Est-ce que Igon il va réussir à avoir là? Ouh, il va courir. Ouh, il a failli se faire faucher lui aussi. Le centre. Pour la tête à Parker. Et la tête à Parker pour le doublé. La cabriole sur la tête à Igon. Le centre d'Igon pour la tête à Parker. Limite du hors-jeu quand même. On devait être pas loin du hors-jeu. Allez, 2-0. La bonne position, exactement. Ça, c'était la bonne position. Et Doug qui a pris un carton. Doug, il a pris un mauvais carton. Allez, bien joué. Bien joué. Bien lancé pour Maguenis. Parker, c'était parfait. La grosse frappe à Parker. Mais le gardien, il était là. Le gardien, il était chaud patate. Allez, Barcina qui va repiquer sur Dow, qui va repiquer sur Parker, qui va repiquer sur Dow. La frappe croisée qui était assez facile finalement. Il a frappé de l'intérieur du pied. J'ai pas trop compris pourquoi d'aussi loin il a frappé de l'intérieur du pied alors qu'il aurait dû mettre une grosse patate. La main. Ah oui. Tiens, c'est Dow, c'est mon meilleur tireur de coup franc. Tu te fous de moi. Ouais, voilà, c'est parce que ça me semble être fou de moi. 60, j'ai personne de mieux. 64, Xhaka. Xhaka me paraît pas mal. Ça va passer dans le mur. Oh, c'est largement en dessous. Dans le public, c'est parfait. Merci Xhaka. Merci Xhaka. On entend les supporters lensois qui sont à fond derrière leur équipe. Alors là, quand tu vois des trucs comme ça, monsieur, c'est qui? C'est monsieur Martinez que j'ai mis, je crois. Quand tu vois des trucs comme ça, mon grand garçon, il faut... Oula, il y a faute là, non? Il y a faute, il n'y a pas faute là. J'ai pas été honteusement taclé. Ah ouais, là il y a faute. Ah non, là c'est se foutre de ma gueule quand même, non? Il foutait pas un peu de moi. Et ils se sont pas foutus un petit peu de ma gueule. Pourquoi c'est Barcina qui est devant là? Les enfants, vous êtes des attaquants. Les attaquants, ça va où? Ça va devant. Allez, peut-être un centre. Oh là, et ce sera... Oh, c'est sorti. C'est sorti, monsieur l'arbitre, c'est sorti là-haut. Il y a corner là, c'est sorti. Je veux pas savoir, monsieur l'arbitre, c'est sorti. Parker. Allez, mais continue ton pressing, là. C'était qui, là, qui a lâché le pressing, là? Et ça va sortir. Ça va nous rendre le ballon, ça. Merci, monsieur le Lorientais. Allez, on va balancer un peu derrière. Azaz, on va balancer une grosse patate. Non, c'était pour Dow. C'était pour Dow. Alors ça c'était beau. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bien joué Igon par contre. Hein, là c'était... L'interception était parfaite. Et c'est la mi-temps. 2-0 à la mi-temps. Tout s'est joué dans les 22 premières minutes. Allez. On va quand même essayer d'en mettre d'autres. Hein, parce que le but c'est d'en mettre d'autres. D'en mettre plein. Je veux plein de buts. Allez, on a pu recharger les batteries. Encore 45 Allez, minutes on reste motivé. Bien joué, l'interception était parfaite là, monsieur Maguenis. Pour la course à monsieur Parker qui oublie le ballon et qui se fait honteusement pousser, voilà. Il est pas content parce qu'il sait que ça donne un bon coup franc à l'adversaire. Quand même. Là, c'était un petit peu honteux là quand même. Hein. Igon, c'est pas Igon mon meilleur tireur de coup franc là. Qui c'est qui a une bonne grosse puissance? Parker. C'est quoi? C'est l'effet. L'effet, je m'en fous de l'effet. Oh. Dommage. Non, c'était... Putain, mais c'est quoi cette passe là? Qui c'est qui m'a fait une passe aussi longue là? Là, elle partait pour... je sais pas qui c'était qui était devant là. Non, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Quand il fait la passe, il n'est pas hors jeu. Ah, oh, c'est dégueulasse, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, t'es un salaud. C'est l'arbitre. T'es un salaud. Oui, non, mais c'est à toi que je parle. Mais t'es un salaud, monsieur l'arbitre. T'es un voleur. T'es un voleur. Tu me mets des hors-jeu alors qu'il n'y en a pas. Oula, bravo, Nedjav. Magnifique, ça. C'était parfait. T'as un ballon, tu le prends quand même. C'est une bonne chose. Je t'en voudrais pas, mon petit loulou, si tu le prends. Allez, Barcina est parti. Barcina, il fait barrer la vitesse. Le centre de Barcina pour la tête de... Non, ça n'a pas marché. Ça n'aura pas marché. Les tirs en chiffres, vous pouvez les lire. On peut les lire, mais on n'a pas envie de les lire. On n'a pas envie de les lire. Oh le oh merde, ça fait chier ça. Ouh, ça c'était un pied haut, ça fait mal, on n'a pas le droit. Seul arbitre. Allez, bien joué ça. Bien joué. Oh non. Oh, bien joué cette passe. Le centre peut-être. La tête croisée, le poteau, non. Non, le centre était beau, le centre était beau. Il était tout seul, Maguenis. Il était tout seul, Maguenis, c'est dommage. Il aurait pu marquer un beau petit doublé. La grosse frappe. Ouh. La grosse frappe de Igon. Dommage qu'elle soit pas passée celle-là, parce qu'elle était bien belle aussi. Elle était bien belle, la frappe à Igon. Comment ça il laisse... Putain mais il n'y a pas faute ça. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. T'es un salaud. Ce centre qui ne donne rien et l'adversaire peut repartir. Allez, Parker. Parker il est parti. Parker il fait parler la vitesse. Parker il fait parler la vitesse. Le peut-être la passe, la frappe de... Oh non. Non, les... ah, la frappe, la frappe, ah la frappe, non, le but, et le but, le but de Maguenis. Ah, il a bien galéré quand même, hein. Putain, Igon, j'ai pas compris pourquoi il a pas frappé direct, hein. Il a fait son petit contrôle, là. Regardez, Igon, il fait le petit contrôle, on sait pas pourquoi, alors je demande de faire une frappe. Et là, heureusement, ça passe. Heureusement, ça passe. Doublé de Maguenis, 3-0. C'était chaud, c'était gros bordel dans la surface, là. C'était le gros bordel, mais c'est passé. Une faute, ouais, bien entendu, tiens. C'est un contact, ça, monsieur l'arbitre, c'est un contact tout à fait normal. Moi, on m'en fait plein, on m'en fait très souvent, et pourtant, on ne siffle pas de faute comme ça. Hein. Le joueur, il tombe pas tout seul. Ah non, j'ai oublié de changer, c'est Mickey, là. Je voulais mettre Martinez derrière. Parce que c'est l'équipe bis, alors je vais mettre... Allez, ça revient pour Parker. Parker, le centre de Parker, la tête et le coup du chapeau pour Maguenis. Le coup du chapeau, magnifique le centre de Parker au dernier moment. Alors qu'il a évité le tacle du Lorienté et la tête magnifique de Maguenis pour le triplé. Le triplé, 4-0. Bim bam boum. Voilà. Il commence à être salé. Oh le sel. C'est pas forcément bon pour la santé. Ouh, c'était joli ça. On va faire un petit contrôle là du talon là, mon grand garçon là. Allez. On renvoie, mais on reste mobile les enfants parce que là c'est pas de la mobilité ça. Allez, on renvoie un petit LBY pour Parker. Parker est là, moi, il renvoie un gros LBY, mais non, c'est un peu trop long ton LBY, mon grand garçon. Fallait le faire un peu plus court. Allez, ils sont fatigués devant, mais je m'en fous. Je m'en fous, je veux pas savoir. C'est l'équipe des remplaçants, donc... Oula, non, c'était pas ce que je voulais faire. Excuse-moi, je me suis trempé de bouton. Je vais faire tout simplement une passe. Allez, c'est le coac dans la défense lorientaise, pardon. C'est le coac dans la défense lorientaise. Oh, c'est fini, monsieur l'arbitre, on aurait pu me laisser la dernière occasion. C'est fini, triplé de Maguenis, c'est un petit but de Parker. Parfait. C'est parfait. Allez. Maguenis, 8,9. Il va prendre, il va reprendre du moral, ça faisait plaisir parce qu'il avait une flèche vers le bas. L'homme en forme. Eh oui, l'homme en forme. Comme tout le monde en fait. C'est presque anodin maintenant d'être en forme. Oh, tiens, on n'a plus de conférence de presse. Elle était là, mais elle est partie. Elle est partie, elle est partie. Alors attention, match important à l'extérieur contre AZ Alkmaar. Voilà. Tiens, juste pour savoir. Non. Si je fais ça, tableau... Passer à la vue tableau. Non. Je ne peux pas... Non, pendant les 16e, on peut pas voir qui c'est d'autres qui jouent. Ah mais si, il y a les rencontres là. Les rencontres d'Europa League, les 6e de finale. Ah mais il n'y a pas de résultats. Si, il y a eu des résultats d'avant. Non? Pourquoi ça m'a marqué là, il y a des résultats? Pourtant c'est de l'Europa League ça. Arsenal était en Europa League. Donc c'est de l'Europa League tout ça. Allez. Nous en tout cas on va faire notre match. Ouais, donc voilà, on va faire notre match et on va jouer... Putain, il est vachement grand, comme c'est Gunning, là, il est vachement grand, Gunning, hein. Ça fait peur, même, tellement qu'il est grand. Alors, tout le monde est en forme, je suppose. Supposition exacte, Igon est un peu fatigué, Parker est un peu fatigué, mais c'est pas grave, je m'en fous, je m'en fous. Vous n'êtes pas prévus de rentrer, les enfants. Moi, je ne fais jamais de changement, c'est nul, les changements, c'est de la merde. Je plaisante, le changement c'est bien. Mais on peut pas en faire plus de 3 donc du coup. Allez. De la coupe. Allez, merci d'avoir rendu le ballon. C'est très fair play, j'aime bien le fair play des joueurs d'AZ, c'est magnifique. Allez, on va repartir vers là-haut. On va repartir vers là-haut, puis vers là-haut. Allez, je l'ai vu là, je l'ai vu. Cherychev. Ah non. Comment ça? Non, pas faute, j'ai voulu tirer. Regardez, j'ai voulu tirer. Et j'ai accroché le mec en passant. Désolé. Désolé, c'est pas ma faute. Je peux rien, moi. J'y peux rien, moi. C'est pas ma faute, ça. Johnson, là, t'as pas suivi, mon petit loulou, là. Bien joué la défense. Sauf que là j'ai personne. Voilà, si Ligion se présente sur le côté. Il avance, il va faire un centre. Un centre, une remise de la tête. Et non, ce sera un corner. Ce sera un corner. Allez, un corner de Johnson. Tiré comme ceci. Oh là. Il va les mieux dégager, ouais. Allez. Ça va repartir là-haut, Villalva. Pour Ducasse pour le centre, qui contrôle, qui nous fait un bon centre. Mais sauf qu'il n'y a aucun attaquant qui a jugé bon de venir attaquer. Ce qui paraissait pourtant une bonne chose, hein. Venir attaquer quand on est attaquant, c'est plutôt pratique. Allez, magnifique. Allez, Villalva, il est parti. Villalva, il est tout seul. Villalva la frappe et le but. Et le but de Villalva. Magnifique. Lui qui n'avait pas marqué non plus depuis un petit moment. Magnifique. Magnifique la passe. Villalva qui est tout seul, qui fait parler sa vitesse. Le bon contrôle, la frappe enchaînée. Et le 1-0 à la 19e. Ça fait plaisir à l'extérieur en plus. Miam miam. Allez. Je veux gagner à l'extérieur. Je veux pas prendre de but surtout. Ce serait sympa de ne pas prendre de but les enfants. Oh là, Cherychev qui se fait malmener là, il y a faute monsieur l'arbitre, c'est honteux, il y a carton rouge là. Oh là, cette passe, bien donnée, hop là. Sans erreur, allez, sans erreur. Ah, dommage, qu'elle ait été enlevée à... Dommage qu'elle lui s'était enlevée à... Ouais, ça circule parfaitement. C'est fluide, c'est beau. Bon, on l'a pas, c'était de justesse là. Alors là, c'était une passe un tout petit peu téléphonée, là, comme on pourrait dire. C'était le téléphone. Allez, pour Ducasse, là-haut. Ducasse. Comment ils sont compacts en bas, mais c'est impressionnant. Hein, en bas. Le centre, peut-être. La tête de Chavaria dans les bras du gardien. C'est magnifique, cette tête. Impeccable. T'aurais dû un peu plus la mettre au premier poteau, mais on rend le lourd. Allez. Bien joué, la récupération, mais perdu de suite après. Marcus Eriksen. Ah, Johnson. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Allez, Ducasse. Qui a lancé Sali là. Magnifique, bien lancé Sali. La frappe et le but. Le doublé de Villalva. Le doublé de Villalva. À la 40e. Elle était à la limite du hors-jeu. J'ai eu peur qu'il soit hors-jeu là quand j'ai fait la passe là. Mais non, ils étaient sur la même ligne. Allez, 2-0, ça fait plaisir. Ça fait plaisir surtout pour un match à l'extérieur. Hein, ça fait mal. Ça fait mal. Oh, je rends le ballon à AZ, je suis gentil aussi, je suis fair play. Allez, c'est renvoyé derrière là. Qu'est-ce qu'il va faire le petit loulou là? Allez, ça renvoie devant. Bien joué la récupération. Allez, ça repasse par Ducasse au milieu, qui repasse à Sali. Sali qui veut passer à Cherychev. Sauf que Cherychev, il n'était pas parti. Allez, on va repasser par Balle sur le côté. Balle qui part pas. Et c'est la mi-temps. 2-0. 2-0 à la mi-temps. Allez, ça fait du bien, ça fait plaisir. On va tâcher de garder l'avance, ce serait impeccable. Mettre un petit troisième de plus, ce serait bien sympathique, ça me ferait plaisir les enfants. Alors, on vient tout juste de reprendre la seconde période, les passes ne peuvent pas succéder quand même aussi vite. Ouh, la grosse ouverture pour Chavaria, mais ça va être un peu trop long. Non, ça va pas être trop long. Allez, le centre. Le centre, la remise de la tête, la frappe directe, Villalva. Ah, c'était beau. C'était beau là, franchement. C'est bien dommage que c'est pas donné lieu à un beau petit but. Là par contre, ça va sortir pour nous. Parce que là c'était magnifique là. La remise de la tête était parfaite. Dommage que le gardien il était là. Le centre peut-être. Non. Ah, le défenseur avait bien protégé. Et là j'ai perdu tous mes latéraux. Ils sont partis à la pêche. Allez, ça repart devant. Allez, Johnson. Je voulais pas exactement là et le centre qui sera contré. Le centre sur le défenseur. Contré bizarrement d'ailleurs. Et ce sera sorti pour nous? Non. Non, ça va être sorti pour eux, je parie. Ah non, sorti pour nous. J'ai cru que ça allait me dire une sortie pour moi. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Ouais, c'était pas exactement là que je voulais que Cherychev il aille, mais c'est pas grave. Allez, le centre de balle. On connaît sa qualité de centre. On fait la même. La frappe. Ouh, Villalva, il est tombé. Il est tombé dans la surface, là. Je pense pas que ce soit normal qu'il soit tombé dans la surface comme ça. Hein. Allez, Ducasse. Pour Cherychev, là. Cherychev, là. Oh là. Ah, dommage. Ah, bien joué Ducasse, la défense. C'est parfait. C'est parfait la défense. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Bien joué. Mais il se fait couper l'air. Allez, passe en profondeur pour Villalva. Villalva, il a mis un peu de temps à contrôler, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il est là. La frappe de Villalva. Oh, le poteau, encore une fois. Putain, le gardien, le gardien, chanceux, là. Deux fois sauvé par le poteau. La tête, ouh, la tête. Ouais, bien joué. Bien joué, Chavaria. C'est aussi important, ce but aussi important que les deux autres d'avant. Magnifique. La tête de Ducasse qui s'était arrachée était très très belle aussi. Dommage qu'il m'ait pas mis la ralentie. Tu m'as pas mis la ralentie, salopio. Je vais te la mettre. Je vais te la mettre, salopio. Parce que c'était bien joli ça. On va se mettre en mode comme ça. On va cacher ça. Hop, voilà le centre de Chavaria pour la tête de Ducasse qui a mis une bonne grosse tête. Et là, Chavaria qui arrive. Boum, le petit peton dans le but. Ça fait plaisir. 3-0. Allez. Et ça va sortir, hein. Merci monsieur AZ. C'est très sympathique, t'arrêtes pas de me donner des ballons comme ça. Oh 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 oh. Bon, c'était pas exactement là que je le voulais, mais bon, c'est pas grave. Allez, Gunning. Bon, c'était pas exactement là que je la voulais pareil, mais c'est pas grave. La passe peut-être au Villalva. Ouh, la reprise, le triplé de Villalva. Oh, il est beau celui-là. Ah, celui-là, il est beau. Hein. 4-0. 4-0 à l'extérieur. Regardez un peu cette reprise là. Regardez, boum. La reprise, bim. Ah, il était parfait ce but. Fusil, c'est clair. En plus, le gars, ah, il a glissé sous le gardien. Et encore, il me donne le ballon. Mais c'est quoi ça? Eh, ça fait 4 fois qu'il me donne le ballon depuis le début du match. Un petit peu l'ambiance, un petit peu chier dans ses bottes là. Il est pas hors jeu, Sali là, il me semble. Oh non. La poche, elle était pas bonne la poche. T'aurais pu faire un petit 5-0 et puis là on était qualifié à coup sûr. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils me mettent 5-0 à la maison. Contre ce centre. Ça c'était ballon. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? Normalement j'ai eu le ballon. Allez, Cantari là. Putain, il est rapide ce monsieur là. Bien joué. Défense. Bien joué. Bon, Cherychev sur le côté. Cherychev qui est crevé, qui commence à mourir sur la pelouse. Il commence à mourir. Et leur jeu. Johnson. Magnifique leur jeu. Qu'est-ce que tu foutais là, Johnson? Johnson, les défenseurs ils se sont arrêtés. Johnson, il a continué. Il voulait marquer à Johnson. Il voulait marquer à Johnson. Allez, oh, c'est dommage, monsieur l'arbitre là. Fallait me le laisser celui-là. Allez, grosse victoire 4-0. Autant dire que la qualification est très très bien avancée. 9-9, Villalba, un triplé. Un triplé et un but de Chavaria. Villalba qui a été très très bon, qui ressemble pas du tout à la photo. C'est ça, c'est de la déception ça. Mais ça fait plaisir, on a quand même gagné. Oula, sélectionneur de Finlande. Tu m'excuseras, mais non, merci. Conférence de presse. On va... non, on va pas louer le Stade Brestois. Ce serait salaud. Ce serait salaud de louer le Stade Brestois alors qu'ils sont relégables. On va louer notre équipe. Et je pense qu'on va faire la même. On va faire jouer les bis. Ouais, on va faire jouer l'équipe bis. Hop, une mise à jour Espagne, machin chose. Ça fait plaisir. Grosse victoire 4-0. C'est bien, on en impose. Ça fait plaisir. Il le fallait. Il fallait montrer que... Hein, que les clubs français, c'est pas de la daube. Du coup, cette fois-ci, on va faire jouer monsieur Martinez. Il est jeune et fatigué, donc ça va être l'occasion pour Xhaka de s'illustrer. Tout le monde est un peu fatigué. On va faire Romagnoli, Nedjav sur le milieu. Est-ce qu'ils ont augmenté de niveau? Pas encore. Balle. Balle qui va passer à Gavaro. On fera aussi un petit rapport d'équipe, si j'y pense. En fin d'épisode, j'y pense. Attention, le si j'y pense, il est important. On va faire jouer Villalva. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait jouer. Ducasse, on va mettre Azaz qui se débrouille très très bien au capitana. Et à la place de Cherychev, on va mettre Barcina. On l'appelle pas. Comment il s'appelle? Toxmin Barcina. Alors je sais pas si c'est un prénom, ça, si ça existe. Il ressemble pas du tout à la photo, pareil, mais vraiment. Allez, Villalva, on va faire entrer Tousgar. Tousgar Maguenis. Donc il sait qu'il n'y a pas... Ephir, il n'a pas beaucoup de morale. Saint-Ruf, il n'a pas beaucoup de morale. Bella. Allez, on va faire du Saint-Ruf Romagnoli. On va tenter la folie en arrière. Saint-Ruf Romagnoli. Et voilà. Le moral. Il n'y a pas un milieu qui aurait pas... Do, il n'a pas un bon moral. Barcina, bah Barcina, il n'y a pas le choix. C'est un ruf, il est Xhaka, il n'a pas trop de morale. Romagnoli. J'ai Alassane Touré. Non, ça va, il va bien. Pas besoin de me faire jouer. Mec salaud. Non, tu joues pas. On va mettre... qui est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre Xhaka capitaine. Ouais, ça me paraît bien. Xhaka, t'es un bon garçon. Donc tu seras capitaine sur ce match. J'aurais pu mettre... qui c'était Igon capitaine, mais je pense qu'il va sortir à la mi-temps. Enfin, à la mi-temps. Je pense qu'il sera... Il y a des chances qu'il soit remplacé. Donc, comme on va pas changer le capitana après le remplacement. Enfin, après que le match ait commencé directement. Allez, on joue... Ben, on joue à la maison. On joue à la maison. On est toujours premier. Avec toujours le même point pareil d'avance sur le second, Marseille. Allez. On aime le foot ici, exactement. Oula, j'ai failli faire un gros tacle au joueur de Brest là. Ça aurait piqué au niveau des pieds un peu là. Oh la belle récupération. Magnifique, la passe pour Ephir. Ah, dommage, dommage. J'ai voulu me retourner, mais ça n'a pas marché. Allez, Barcina. Barcina. Barcina, est-ce que tu seras le remplaçant de Cherychev pour la saison prochaine? Ça, c'est une question qu'on posera au mercato. Là-haut, j'ai vu un bel appel, la frappe. Odo. Odo, qu'est-ce qu'il est allé me marquer là? Qu'est-ce qu'il est allé me marquer là, Dove? J'ai vu qu'il était tout seul et l'arrivée était bien lancée là. Regardez, hop, il était tout seul. Bim, le petit contrôle, la grosse frappe. Et le gardien qui n'y peut rien. Impeccable ça de Monsieur Tau. Oh, regarde, sans rien. Comment ça, faute? Oh, en plus, c'est lui qui... Ah, j'ai cru que c'était moi qui avait fait faute. Là, je me plaindrais si je serais le Stade Brestois. Non, c'était pas par là. C'était pour une fois, c'était pour Maguenis devant. C'est pas grave. Allez, Romagnoli, tu regardes de ballon sans rien faire. Il va pas t'arriver tout seul dans les pieds, mon petit loulou. Oh, sans rien. Ce sera pas ce coup-ci. Allez, Tau, Tau, il est chaud patate, Tau. Oh, Ephir, il a raté le ballon de la tête. De pas beaucoup. C'est toujours ça, il l'a raté de pas beaucoup de la tête. Lucas Gavaro. Lucas Gavaro, non. Lucas, non. Non, non. Mon petit Lucas, non. Tu vas te calmer le sexe de suite, hein. Tu vas éviter de faire des bêtises comme ça. Oh là là. Lol, 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 Ephir. Oh non. Oh non. Putain, en plus la passe déjà je la voulais en première intention pour Maguenis. C'est surtout pas bon Valdivia. Et Valdivia qui tire sur Maguenis. Non mais n'importe quoi. Bien joué ça, ça ruffe. Toi je te garderai par contre. Alors, le ballon dévié. Le ballon dévié. Le ballon dévié, magnifique, magnifique. Hein. Ils sont chauds les joueurs, ils sont chauds. Oh là, Barcina là, tu vas te calmer le sexe toi aussi là. Valdivia pour Xhaka, Xhaka pour Igon, Igon pour Maguenis, Maguenis pour Ephir, Ephir la frappe. Ouh, la frappe à la terre. Maguenis était là si jamais le gardien a lâché. Il était là, il était prêt. Là par contre j'ai personne qui est venu à la réception du ballon. Voilà, bien joué. Ah ben on va laisser, c'est pour nous. Ce sera une touche. En plus, Igon, il s'était totalement chié sur la réception. Donc c'est pas grave. Hein. Allez, Gavaro. Gavaro, il est chaud patate encore une fois. Allez, le 1-2 qui marche bien. Gavaro, le centre. Efir. Oh, Efir qui s'est... ah, Efir qui s'est pas levé assez vite, c'est dommage. Efir, il se serait levé un peu plus vite, franchement. Il aurait pu récupérer le ballon sur le guac du défenseur, là. Enfin, sur le guac de... Oui, le guac du défenseur sur son... Superbe contrôle. Superbe contrôle, magnifique. Il a failli concéder la touche. Allez, le sang, et oh. Allez, le sang. Allez, le sang. Igon, qu'est-ce que tu fous là? C'est même pas ton côté, là. Allez, peut-être le centre. Ouh, Efir, Efir, magnifique Efir. J'ai encore fait une pirouette en avant. Faut que je varie un peu plus mes gestes de célébration. Magnifique, magnifique la passe de Igon pour la reprise de volée. Regardez un petit peu le hop là, bim. Ouais, impeccable. 2-0 à la mi-temps. Au meilleur des moments possibles, le break est fait. Ça fait mal aux dents. Le break qui fait mal aux dents. De 2 à 0. C'est ça, c'est ça. Et ça va être la mi-temps. 2-0. Bah, pour l'instant, l'équipe est bien. L'équipe est bien en place. Ça fait encore... ça fait 3 matchs de suite qu'on gagne 2-0 à la mi-temps. Décidément. Et on n'a pas gagné 4-0 aussi contre Lorient. On a fait, pour l'instant, on a fait marquer 8 buts en 2 matchs. Allez, joli pour Maguenis, là, c'était bien enlevé. La frappe peut-être. Oh, le but. Le but de Barcina, il est beau. Oh, il est beau, cette action collective était parfaite. Regardez-moi un peu cette action dans l'espace. Maguenis qui fait la passe et la frappe enchaînée directe. Gardien qui ne peut rien sous la barre. Oh ouais. Elle était magnifique cette frappe. En ouverture de seconde période. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Hop là. Oula. Le ballon qui file en touche avec cette passe mal assurée. Ah oui, en plus on sent le ballon qui nous revient. Allez, bon Xhaka. Xhaka qui va passer à Valdivia. Valdivia dans l'espace sur Dao. Dao il est chaud patate, faut pas l'oublier. Pour Barcina là-bas. Barcina qui va passer sur Maguenis, le centre pour Efir. La tête de... Efir. Efir, il a voulu marquer un Efir. Ça fait 2 fois que j'ai le défenseur, enfin l'attaquant qui est tout seul. Là. Les gars, ça va chier. Ça va chier si vous me faites ça, ça va chier. Allez, la passe pour Igon là-haut. Igon, il est chaud. Igon, il est chaud. Passe à Maguenis. Maguenis qui passe à Efir, Efir la frappe, mais ça passe pas. Ah, peut-être pas déconner non plus. Allez, Romagnoli qui passe à Gaffaro. Gaffaro qui perd le ballon, qui fait une mauvaise passe, mais on récupère derrière. Allez, pour Valdivia, Valdivia qui était totalement à la rue. Ah, il faut dire ce qui est, était totalement à la rue. La Dog qui était encore une fois totalement à la rue, ça devient une habitude les enfants. Mais il fait une bonne récupération derrière. Et ça c'est le plus important. Allez, pour Dao. On Maguenis devant, là. Barcina, peut-être. Non, Barcina pour Gavaro. Gavaro qui est parti. Le centre de Gavaro. Oula, le pied haut. Le pied haut. Je sais pas pourquoi il y a eu un avantage pour Brest, parce que là... Je sais pas pourquoi il y a eu l'avantage pour Brest. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est l'arbitre, il va falloir m'expliquer pourquoi tu m'as mis un avantage. Valdivia qui se fait chipper le ballon. Mais ça revient. Allez, hop, on revient là. Allez, il est parti Maguenis, il est parti. Il est parti Maguenis. La frappe, non, la frappe, le ballon qui a roulé sur lui-même, hein. C'est assez bizarre. Allez, Igon, la frappe de Igon. Belle frappe de Igon. Un petit peu trop... tu peux trop téléphoner. Ah, ben là, la tête, elle était bien, là. Hop là, la passe en profondeur pour Efir. Oh, Ah, je me suis fait violenter dans la surface, monsieur l'arbitre. Et puis, il s'est fait violenter dans la surface par un Brestois, là. Je suis désolé, ça va pas, ça va pas. Ça c'est carton rouge, ça. Ça, c'est carton rouge minimum, ça. Oui, le bon tacle. On pensait que le Racing Club de Lens serait accroché dans ce match. Chaque fois, il dit ça, le mec. T'as pas autre chose à raconter que toujours ta connerie, là. On se ferait accrocher à chaque fois. Même quand on joue contre Paris, il dit « Oh, c'est un match équilibré. » Non, ça dépend. Donc contre Paris, il disait l'autre fois que c'était pas un match équilibré, que c'était très étonnant que cette équipe s'impose ici. Oui, c'est vrai, mais cette équipe, elle est pas mauvaise non plus. Arrête de te foutre de ma gueule. Allez, on va vers le centre pour Ephir. Ephir, il n'a pas de solution. Ephir, il est guaqué. Il repasse à Valdivia. Valdivia qui est en position. Frappe. Belle frappe. Repoussée par le gardien. Allez. Verdier qui va sortir, qui va laisser sa place. Allez. Nous, on fait pas de changement. On est l'équipe des 100 changements. Parce qu'on a... en semaine, on joue avec notre équipe A. Et en week-end, on joue avec l'équipe B. Ouh. C'était une passe au gardien magnifique. Dommage que Barcina n'ait pas récupéré parce qu'il n'était pas en jeu en plus. Il aurait mis un petit ballon de guaki là. Un petit ballon de guac. Ça aurait été parfait. Hein. Un petit ballon de guac là. Et c'est fini. 3-0. On n'aura pas fait 3 matchs à 4-0. 3-0, ça sera suffisant. Ça sera déjà pas mal. Hein. Et on reprend 3 points de plus. Bon match de Igon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tout le monde a fait plutôt un bon match. Tout le monde a fait plutôt un bon match. Allez. Allez. Ça s'est bien passé. Je suis content de mes joueurs et je pense qu'on a le temps. Donc on va faire le match retour contre AZ. On a gagné l'aller 4-0. Donc ça devrait bien se passer. Il faudrait éviter d'en prendre 4. Et on va le dernier match, on va louer notre dernier match parce qu'on a gagné 4-0, pas déconner non plus. Donc on joue à domicile. L'objectif, ne pas perdre plus de 5 buts. Ne pas faire au moins, ne pas perdre 4-0. Ce qui serait quand même assez étonnant qu'on perde 4-0. Je vais bien croire que je fais des grosses erreurs défensives des fois, mais quand même, faut pas déconner. Après on aura un match, je crois, de mémoire la semaine prochaine contre Toulouse. On a une grosse semaine aussi en Ligue 1 la semaine prochaine. On a contre Toulouse, un match contre Toulouse, un match contre je ne sais pas qui, et un match contre Paris, le championnat. Un tout petit peu, une petite option. L'excès de confiance. On va éviter d'être en excès de confiance, mais quand même, faudrait peut-être pas décoller non plus. Allez, Cherychev qui est bien lancé, Cherychev qui prend de vitesse son défenseur. Allez, boum, le centre. De toute façon, il n'était pas en jeu. Allez, c'est repoussé par la défense. Et on va balancer sur les jeunes en bas. On revient sur Ducasse. Ducasse, il s'est volé le ballon honteusement. C'est Ducasse, c'est pas normal ça. Allez, Sali. Oh non, j'aurais dû tenter la frappe directe. J'aurais gagné, j'aurais eu peut-être plus de chance. Allez. Pour balle, le centre de balle, la tête, dommage. Dommage, le centre qui donne rien. Bien joué la défense. À 50-50, oui, avant le match. Allez, le centre, peut-être, la tête. Wow. Oh non, la tête et la frappe, la double parade du gardien était exceptionnelle. Exceptionnelle la double parade du gardien, vraiment. Vraiment, c'était de l'art. Comme ça, exactement, c'était la même chose. La frappe. Oh, bien joué la frappe de Villalva, pardon. Valdivia. C'était pas mal. La séquence de passe était plutôt sympa. Et la frappe, le gardien ne s'est pas laissé surprendre. Alors on va faire un petit truc à la pour Gunning. Oula, j'ai rendu le ballon à l'adversaire, ça c'est bien gentil de ma part. Allez, on va revenir par là. Allez, sur Chavaria, pardon. J'en confonds les noms de mes joueurs. Ah putain, mais... Le centre, il est beau, le centre, la tête et le but. Le but de Chavaria, comme au match aller. Enfin, il n'a pas marqué de la tête au match aller, mais bon. Encore un but de Chavaria, comme au match aller. Le centre était magnifique. Limite extérieure du pied. Et bim, la tête de Chavaria au-dessus du gardien. Magnifique. Total 5-0, ça fait en tout. Allez, ça va sortir. Merci mon petit loulou. Vous avez vraiment des problèmes sur les mises en jeu, les enfants, aujourd'hui. Là, ça va pas. Ça va pas. Sur les mises en jeu, ça va pas. Moi, je serai l'entraîneur, j'irai me plaindre de suite. Allez, pour Johnson. Johnson, il est parti. Johnson, la vitesse. Le centre de Johnson. Où il y a une main, là. Oh, oui, il y a une main. Ah, effectivement. Allez. Le centre, oula, tout le monde s'est cassé là. C'est normal parce que tout le monde s'était cassé. Sali, le centre, Villalva, non, c'est trop croisé, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Le petit Villalva qui a failli marquer de la tête. Encore une grosse occasion là. Allez, je suis sûr que les supporters lensois dans la vie, ils seraient très heureux de voir ça. Du 5-0 quand même, ça leur ferait plaisir. Allez, magnifique ce jeu de passe là encore. Le centre. Oh putain, mais... La grosse... Non, c'était pas une grosse frappe. On va pas mentir, c'était pas une grosse frappe. Eh ben, il a une énergie de mollusque. Bien joué. Allez, magnifique ça pour Sali. Johnson, non. Le centre. Non. Salut, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait des tacles. Il m'a fait deux tacles au lieu de courir vers le ballon. Et la grosse frappe. Ouh. Oh, le but de Ducasse. Oh, il est beau celui-là. Il est beau celui-là. Oh, il est beau celui-là, regardez un peu, il est au contact là, il est pressé par les défenseurs et il arrive à décocher une frappe. Et bim, bien croisé dans le petit filet. Oh, elle est belle celle-là. Eh, celle-là, elle est belle. Hein. Franchement, celle-là, elle est belle. Bim. Oh là là, elle est trop belle cette frappe. Hein. Magnifique. Magnifique frappe de Ducasse là. C'était parfait. Numéro 8, Ducasse, El Ducasso. Excellente interception, bien joué. Il a trouvé un adversaire sur le chemin. Et ça dégage, et ça dégage. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est dommage. Ducasse, c'est dommage. Le lob, il était pas assez appuyé. Ça fait... C'est dommage. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. C'est bien dommage, franchement. Ducasse, il aurait marqué. Il aurait mérité de marquer un joli doublé. Et c'est fini. Ah non, mais c'est la pause. Excusez-moi, c'est la mi-temps, c'est l'émotion. C'est la mi-temps et 2-0, un magnifique frappe de Ducasse, hein, franchement. Et ce sera gagné, oui, non, mais ça, merci, j'avais compris, mon petit loup. Et on est là pour ça aussi, hein, merde, hein, chier quoi. On va voir un club français gagner quelque chose en Europe, là, ça serait beau. Allez, étant donné que la saison prochaine on sera pas en Europa League, on va essayer de la gagner cette saison. Comment ça j'ai fait une faute? J'ai pas touché l'adversaire. C'est l'arbitre, il est tatillon. Il est tatillon, il s'est fait payer à la mi-temps. Ouh, la parade de Biquet, il s'est envolé comme s'il allait sur la lune. C'était magnifique. C'était pas très utile, mais c'était magnifique. Bien joué Sali qui vient chercher le ballon, ça. Oh là. La passe de Sali était pas mauvaise. Allez, Ducasse qui fait la bonne interception. Qui renvoie sur Ducasse. Cherychev, c'est quand tu veux, mon petit loulou. Merci. Allez, on va se stopper. Ah non, c'est dommage. J'ai fait la passe, mais la passe, non. J'ai fait la passe, mais c'est elle qui ne m'a pas fait. Oh, magnifique. La grosse frappe. Ouh, juste déviée par le gardien. Magnifique ce jeu de passe là. Villalva, magnifique la passe de Villalva dans la course à Sali, la grosse frappe de Sali. Et déviée juste par le gardien. Allez, on va faire un gros corner. C'est pas du tout là que je l'avais tiré, mon garçon, mais c'est pas grave. T'apprendras à tirer les corners à l'entraînement. Ouh non, non, c'était pas pour là. C'était pas pour là, mon garçon. T'étais totalement trempé dans la direction. C'était plutôt pour... Oh le Cherychev le centre, Cherychev le centre. Oh, oh le but de Chavaria. Oh là tu peux applaudir. Bravo Chavaria. Bravo Chavaria. Là, bravo le gardien. Ah bravo gardien. Bravo tu m'as arraché la jambe. Bravo gardien, c'est magnifique. Regardez un peu ce centre, encore une fois, qui lobe un peu le gardien. Boum, Chavaria qui a juste à faire le contrôle de la poitrine. Et là, le petit bout du pied dans le but. Mais après, il s'est pris une grosse charge du gardien. Hein. Allez, 3-0. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Allez, on repart devant. Parce que nous, on est comme ça, on joue pas la défensive. Allez, on a vu... Voilà, Sali, on a vu qu'il était motivé. Et boum, 65e, 4-0. Ça fait mal, ça fait mal. Boum, jolie frappe de Sali là, magnifique. Voilà. Bon, ça devrait passer. On devrait passer au tour suivant, logiquement. Normalement, ça devrait à peu près nous réussir. Non, on ne devrait pas prendre 8 buts comme ça là, en à peine quelques minutes. Ça m'étonnerait. Allez, pour l'instant, on fait un très très bon match. Je suis très content de mes joueurs. Ça va, ils vont bien. Là, Lijon encore qui a fait une très jolie appel là de Lijon. Le centre peut-être pour Sali. Non, Sali ne sera pas assez grand. Allez. Johnson peut-être. Non. Hop, la passe sur Cherychev. Cherychev qui va passer au centre pour Johnson. Johnson, hop. Oh non, la faute, oui la faute monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre la faute, oui la faute monsieur l'arbitre. Oui un petit peu beaucoup, c'est Chavaria mon meilleur tireur de coup franc. Puissance, je sais pas, Johnson il est pas bon, 67. Oh là là, pop, si il est un poil meilleur. Il a beaucoup d'effets lui. 60, non, 66 en effet. Oh, c'est dommage! C'est ça corner! Et jamais j'arriverai à marquer un coup franc. Putain, le jour où je marque un coup franc, je l'enregistre dans mes ralentis parce que... Ouh! Ouh, Gunning! Ouh, Gunning! Ouh, Gunning de la tête! Sur le beau centre de Johnson, bim! Il a foutu à terre le défenseur. 5-0. Eh ben c'est bien parce qu'on fait le spectacle à la maison devant le public là en soi, ça fait plaisir. Eh oui, tu pensais toujours qu'on sera accroché, mais en fait non, on n'est jamais accroché, on s'en sort toujours très bien. On a une bonne équipe, mon petit Loulou, on a une bonne équipe et quand ils sont motivés, ils font des belles choses. Ils font des belles choses. Allez. Ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Allez, Sali. Oh non, Sali. Oh non, Sali, tu m'aurais pu marquer le 6ème. Oula, ça se fight là. Ça se fight pour le ballon là. Magnifique, Cherychev. Oula, par contre, Ducasse, il a raté le ballon. Ah, la défense qui est complètement à la rue. La défense qui est à la rue, hein, c'est ça, oui. La défense qui est jamais à la rue chez moi. Elle est jamais à la rue chez moi là. Et regardez, Villalva qui arrive. Il est lancé comme une fusée. Bon là il est encore un petit peu en bout de course. La frappe de... Oh là là, la petite frappe de Villalva. Oh la petite frappe de Villalva, elle est belle. Villalva. 86e, encore un but. Ah oui, parachevé, c'est le coup là. Bim. Combien ça fait? 6-0. Ça fait 10-0 au total. Ça fait 10-0 au total. Bon. Bon. Ma foi. L'année prochaine, ça ira mieux. L'année prochaine, on ne sera pas en Europa League, grand garçon, hein, monsieur AZ. Donc tu pourras toujours essayer de la gagner à ce moment-là. Parce que nous, on n'y sera pas. Hein. On sera en Champions League. Et là, ça va chier pour nous. Par contre, en Champions League, ça va pas être la même histoire. Hein. Allez, tu casses là, t'étais bien parti là, pourquoi tu t'es arrêté mon petit loulou là? T'étais bien parti mon petit loulou. Allez, tu casses. Ducasse, la frappe de Ducasse. Oh, le but de Ducasse. Encore un but. Le but de Ducasse. 11-0 cumulé. C'est tout simplement son deuxième but. Oh là. Boum. Franchement, des fois ça ne veut pas rentrer. Regardez là. À chaque tir, c'est un but. C'est fini quand même. Voilà. 7-0. Ça, c'est du carton, ça. Ça, c'est du carton. Alors, Chavaria. Doublé de Chavaria. Un but de Gunning. Un but de Sali. Un but de Ducasse. Un but de Villalva. Et voilà, un doublé de Chavaria. Bon, en effet, c'était impeccable. C'était parfait. Ça, c'était un bon match. Ça, c'était un bon match. C'est car Sali 9-9. Quand il n'a pas marqué le plus de buts. Ah, un doublé de Ducasse aussi. Ah oui, c'est vrai, Ducasse a marqué 2 buts. Ah oui, c'est vrai, il a marqué la belle frappe en fin de première période. 9-5, regardez-moi un peu ces notes de fou. 9-9, 9-8, 9-5, 8-8, 9-1, 9-7. Ah, magnifique, hein. Même Mickey, il a pris un 7-3 alors qu'il a rien foutu. Ça, c'était un 7-3 pour l'exemple. 16 tirs, 14 cadrés, 7 buts. Le ratio est pas trop mal quand même. Hein. C'est un tir sur 2 dedans. Un tir sur 2 cadrés dedans. Dotation compétition, a fait combien? On a fait combien la dotation compétition, elle est combien? 350 000. C'est nul. C'est nul. Moi, je voulais 1 million, moi. Pas grave. C'est pas grave. Bon, là, on aura un match contre Toulouse, mais ce sera pour l'épisode précédent. Faut pas déconner non plus. Ah, on va jouer contre Benfica en 8e de finale. C'est quoi les 8e de finale? J'aimerais avoir le tableau, s'il vous plaît. Je voudrais avoir le tableau. Europa League. Alors... Lazio, Real Sociedad, ouais. Après ça, c'est Shakhtar Donetsk, non, contre Bordeaux. Putain, Bordeaux est passé. Milan contre Juventus. Putain, ça c'est Inter, non, c'est pas Milan. Bah, c'est l'Inter contre la Juventus. Ça va faire mal, par contre, Inter-Juventus. Là, un truc, Borussia Bascan contre le Celtic. Tottenham contre Olympiakos, Atlético Madrid, c'est ça, hein, je me trompe pas, contre Arsenal, et Naples contre Lille. Oh, Lille est passé aussi, ça fait plaisir. Eh, quand même, 3 équipes françaises en Europa League encore, en 8ème, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça serait bien que dans la vie, ce soit comme ça. Allez, ben, notre prochain 8ème de finale, ce sera contre une équipe portugaise, contre le Benfica. Bon, et toujours est-il qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode, hein, c'était déjà bien sympathique. Est-ce qu'on est dans les buteurs? Même pas, non. Sali, 10 buts. On est loin quand même, hein. Faut qu'il marque 6 buts dans un match pour arriver dans les premiers. Meilleur passeur peut-être, non? Johnson et Cherychev, 6 et 7. 7 et 6 plutôt. Villalva, 5 passes décisives. Ça, on est plutôt bon quand même. On passe, on est bien. En but, on est un petit peu moins bien. Villalva, 8 buts. Et c'est tout. C'est tout parce qu'il n'y a que le 25 premier. Allez, on va s'arrêter ici pour cet épisode, pardon. Je vous dis merci à vous, de m'avoir regardé. Mettez-moi un petit like si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur FIFA ou sur un autre jeu. Allez, ciao!